Zombie Apocalypse. Bonjour à tous les gamers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, un nouveau jeu, Until Dawn. Donc c'est un jeu qui a été très attendu cette année, je pense. Bon, moi j'ai eu en retard, hein. Je vais pas expliquer pourquoi, mais ça m'a bien fait chier. Bref, donc bah du coup, voilà, on va commencer l'histoire. Je pense que beaucoup de youtubeurs ont fait la... On fait la présentation de ce jeu-là, et bah, je pense que vous l'avez vu malheureusement. Donc j'espère que ce jeu-là vous plaît, et puis bah, j'espère que ça va vous plaire aussi sur ma chaîne, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc sachant que voilà, j'ai pas regardé de let's play, j'ai rien. Là je découvre vraiment le jeu. J'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hey, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Mike ? C'est Anna. Salut Anna. Hé, hey, vous avez vu ça ? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh ? Ok, donc on contrôle la fille, mais la caméra un peu bizarre. Ah, c'est assez chaud pour se repérer, hein. Franchement. C'est droit pour rien autour de vous, les objets qui brillent peuvent être examinés. Ok. D'accord. Merde, Josh. Tu peux inspecter les objets, etc. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. En gros, tu t'es bourré la gueule. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. T'es trop... Ah, j'ai pas eu le temps de le dire. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à
Tu sais, exploiter et voir où ça nous mène. Oh, hey. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Là. Anna. Désolé, Anna. C'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Vous êtes tous trop cons, vous le savez. Anna! Alors, ouais. Réveiller Josh ou rejoindre. Bah moi, je réveillerais bien Josh. Josh! Josh! Merde. Hé, il y a quelqu'un dehors. Au final, non, hein, on s'en fout. Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess, c'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! Bon, on est rapide, nous. Putain, Anna, mais t'es où? À la droite. Bon, ça va pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon, je sais pas trop où ça nous mène tout ça, mais... Prophétie. Mort, conseil, perte, danger et chance. Noir, mort, l'éventuelle mort de la personne qui le trouve. Tribu indigène pensait que les papillons transportaient les rêves et les prémonitions. Chaque thème prédit un avenir possible. C'est votre manière de jouer qui déterminera si vous serez devant. Ok. C'est. Ouais, c'est sympa! Merde, c'était quoi?
ça va pas. Anna. Anna. Oui. Ah, on a retrouvé Anna. Anna. C'est fort. Oh mon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Anna, baisse. Quelle joyeuse quel joyeux commencement, je trouve. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois, ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Alors ? Qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être franc. Du malaise ou de la joie ? Ah, je vais dire du malaise. Je sais pas pourquoi. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise ? Je ne sais pas. Si c'est une chose que vous ne pouvez voir, comment alors pouvez-vous la craindre ? Dites-moi, y a-t-il quelque chose dans la maison ? On va dire oui dans la maison. Et cette chose dans la maison, est-ce vivant ? Wouah, les questions de fou! Ouais, c'est vivant, allez! Je vois. Et cette menace,
Est-ce quelqu'un ou bien est-ce une autre phobie dont vous souhaiteriez me parler? Autre chose. Ah, vraiment. Cette session se termine. J'aimerais que vous réfléchissiez à cette menace invisible et inhumaine dans la maison. La prochaine fois, nous irons au fond des choses ensemble. Bon, bah c'est une histoire qui commence plutôt bien, moi je trouve. Hein. Ça, je savais pas du tout quoi m'attendre vraiment sur le jeu, parce que j'ai pas regardé de let's play ou des youtubeurs qui ont pu le faire. Mais franchement, c'est vraiment un jeu qui me plaît. Je sens que je vais bien m'éclater dessus. Donc, ben voilà, en espérant que cette première partie d'Until Dawn vous a plu. De toute façon, je pense que je fais ça quotidiennement, hein, à peu près. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur PSO Gaming. Et,